Une fois de plus, de traverser une période délicate de son histoire. Hier, en effet, le 6 avril, vers 3 heures du matin, des éléments de la garde républicaine ont entrepris la réalisation d'un coup d'État, concrétisé par la coupure des liaisons téléphoniques, l'occupation des points stratégiques ou sensibles de Yaoundé, palais de l'unité, immeuble de la radio, aéroport, etc., avec pour finalité la mainmise par la violence sur le pouvoir politique. Des unités régulières de notre armée nationale demeuraient fidèles aux institutions, et qui avait reçu des ordres pour enrayer le coup de force, conduisir le combat avec méthode et détermination, et aboutir en fin de matinée de ce jour à une victoire complète. Le calme règne sur toute l'étendue du territoire national. Et c'est le lieu pour moi de rendre un vivant hommage à ces unités de notre armée pour leur engagement et leur attachement à la légalité républicaine. Enfin, je demande à toutes les Camerounaises, à tous les Camerounais et à tous ceux qui résident dans notre pays de garder leur calme et de poursuivre leurs activités de développement économique et social de la nation. Vive le Cameroun.